À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, suffit pas de vendre des kills. Faut tenir terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son bien intact. Son équipe compacte, soudée. Écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Jamais demandé à t'avoir, c'est avec ces formules trop soumises. Enfin, faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge pour entrevoir. C'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'ici avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas. Arranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens. Familiar, chaque jour un peu plus. J'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer. Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émise. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on lui enseigne? Ne tape pas vraiment, ça pue dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec, t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, puis fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres, tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira, juste pour ne pas qu'on te dise voilà, tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue, mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Pas de coups bas, de coups, de combat, d'esquive, juste blaire. Ce putain de ce combat, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.